tester tout ça et on va voir. C'est là, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présent à ce webinaire qui donc débute maintenant pour se terminer à 18h30 et qui adressera le contenu de la vague 2 du couloir hôpital, plus précisément autour des dispositifs dossiers patients informatisés et plateformes d'intermédiation. Et pour réaliser du coup cette présentation, donc nous sommes trois à la manœuvre. Donc je me présente, Inès Segouilmaoui, responsable de mission au sein de l'ANS, et j'interviens auprès de la Task Force Hôpital pour adresser les sujets du Ségur sur le couloir hôpital. Et je suis accompagnée de Clara Morlière de la DNS et de Nolwenn François de l'ANS, que je laisse se présenter. Je crois que tu as tout dit. On appartient à toutes. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre participation à ce webinaire. Effectivement, Clara Morlière de la délégation numérique en santé sur la Task Force Hôpital et notamment le Ségur qu'on va vous présenter aujourd'hui et sur lequel on travaille depuis pas mal de temps. Et donc, ça fait aussi, j'ai presque le cœur qui bat à dire qu'on est enfin en train de la présenter, cette vague 2. Peut-être merci. Vas-y, Nolwenn, et oui, je rajoute Nolwenn un point François après. De l'ANS. Donc, je travaille avec Inès et Clara sur la Task Force Hôpital en tant que participante à cette Task Force, expert métier établissement de santé. Sarah, tu voulais rajouter un mot? Oui, dans le sens où aujourd'hui, on dit qu'on présente la vague 2 à l'hôpital, donc les dispositifs que tu viens de citer, Inès. Mais je tiens à, en préambule, indiquer que pour l'instant, nous sommes en pré-publication de l'ensemble de ces dispositifs, que c'est dans les circuits de validation au sein du ministère, mais qu'on n'est pas encore à la publication officielle. On espérait que pour ce webinaire, ça soit le cas, mais ce n'est pas encore le cas. Donc, voilà, juste en préambule par rapport à la présentation que on va vous faire. C'est tout dans les circuits de validation, mais ce n'est pas encore publié. Très bien, merci Clara. Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, vous rappeler quelques bonnes pratiques d'usage concernant le déroulé de ce webinaire. Donc, je vous le disais, il se terminera à 18h30. On déroulera du coup l'ensemble de la présentation. Si il nous reste un peu de temps à la fin de la présentation, on ouvrira les micros pour permettre à certains participants de poser leurs questions. Mais en tous les cas, tout au long de la présentation, on a souhaité conserver les micros fermés pour avoir vraiment une présentation fluide. Bien entendu, si nos propos vous interrogent, n'hésitez pas à mobiliser le chat pour formaliser vos questions au fil de la présentation, et que ce soit Clara, Nolwenn ou moi, en fonction de la personne du coup qui présente, on s'organisera pour pouvoir répondre au fil de l'eau à vos questions de manière écrite. Voilà. Et donc du coup, je propose de poursuivre en vous présentant du coup l'ordre du jour de ce webinaire. Donc, une introduction pour rappeler les enjeux du Ségur numérique et comment s'inscrit la vague 2 dans le cadre de ces enjeux du Ségur numérique en santé. Ensuite, on vous explicitera les fonctionnalités et le périmètre technique couverts par la vague 2, les conditions administratives et financières qui guideront la vague 2, et enfin, les prochaines étapes avec une attention particulière à porter sur les étapes de préparation des établissements de santé pour accueillir au mieux les fonctionnalités vague 2 dans les établissements. Et du coup, je laisse la parole à Clara sur la partie introductive. Merci Inès. Alors, les objectifs du Ségur du numérique en santé, je pense que la majorité des personnes présentes les connaissent, mais on aime bien quand même toujours les rappeler. Et l'objectif du Ségur du numérique en santé, vous le savez, c'est le partage fluide et sécurisé des données de santé entre professionnels de santé et avec le patient via mon espace santé et la messagerie sécurisée de santé en s'appuyant sur un certain nombre de services socles. Et on détaille cette trajectoire en trois qu'on appelle petits pas, mais qui ne sont pas si petits, nous le savons tous.
Le premier point, c'était ce qu'on a fait en 2022 et qui a été préparé avant, mais c'est le fait de doter tous les patients d'un profil Mon Espace Santé. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on est à quasiment un peu plus de 15% de l'ensemble de la population qui a activé son espace santé. Et donc, c'est déjà un beau parcours, même si on a encore besoin d'en faire encore beaucoup. Mais et on sait aussi que la grande majorité, hein, 98% de l'ensemble de la population a un Mon Espace Santé ouvert qui permet justement aux professionnels de santé et aux établissements de santé d'alimenter des documents de santé clés pour la prise en charge des patients pour faire justement cette deuxième étape, maintenant que les profils Mon Espace Santé sont là, pour pouvoir les alimenter avec donc la vague 1 du Ségur et le programme Ségur usage numérique pour les établissements de santé, le programme SONUS. Et là, aujourd'hui, je ne vais pas revenir sur les précédents éléments, mais on a plutôt eu des bons résultats et embarqué une grande partie de l'écosystème dans cette deuxième étape. Et on arrive à la troisième étape, qui est finalement l'aboutissement de l'ensemble, qui est de faciliter l'utilisation et la prise en compte de cette information présente dans Mon Espace Santé et dans la messagerie sécurité de santé par les professionnels au sein notamment des établissements quand on parle de l'hôpital. Donc, en quoi consiste cette vague 2 de mise à jour des logiciels de professionnels de santé? Ça fait quand même pas mal de temps qu'on en parle, mais on préfère toujours quand même rappeler les objectifs. C'est 1, faciliter la consultation par les professionnels de l'information et particulièrement des documents de Mon Espace Santé. Ensuite, faciliter l'intégration des documents reçus par messagerie sécurisée de santé directement dans le logiciel de TPI. Et enfin, renforcer la sécurité des logiciels, de ces deux logiciels des professionnels de santé. On sait que le Ségur, ce n'est pas que la partie hôpital, c'est l'ensemble, et qu'on a besoin justement aussi que le sujet de la sécurité soit pris en compte au même titre que des autres éléments, même si aujourd'hui, la vague 2 est principalement une mise à jour fonctionnelle sur les deux prochains premiers points et que derrière, la sécurité vient accompagner l'ensemble. Et puis ensuite, dans cette vague 2, on a également remis un certain nombre d'exigences qu'on avait déjà dans la vague 1 en allant plus loin, en les renforçant, notamment sur la partie interopérabilité ou l'alimentation systématique de Mon Espace Santé ou encore l'annuaire. Également, il y a une question qui se pose assez régulièrement, c'est quid de l'articulation de la vague 2 avec les autres dispositifs que l'on propose au niveau de l'hôpital. Voilà en très macro une représentation de ces différents dispositifs qui sont que vous avez sûrement déjà pris connaissance, hein, puisqu'il y avait depuis jusqu'à vendredi dernier la première période de candidature du programme CARE sur la cybersécurité qui vient de se finaliser, qui est effectivement le socle de l'ensemble des éléments. Ensuite, en termes de mise à jour de logiciels, les dispositifs SONS et la vague 2 thématique d'aujourd'hui. Et enfin, les programmes d'accompagnement à l'usage avec le programme SONES que j'ai évoqué tout à l'heure et le programme Open 2, à la suite du programme Open et SONES qui est en cours de construction. Attention, à la différence de la vague 1, la vague 2 à l'hôpital n'embarque pas un dispositif dédié sur le référentiel d'identité. On verra un peu après pourquoi. C'est surtout que en fait, l'ensemble des exigences, notamment sur l'INS, ont déjà été pris en compte dans la vague 1. Qu'est-ce que le système ouvert et non sélectif, le SONS? C'est un dispositif d'achat pour compte de l'État. C'est-à-dire que l'État vient acheter une prestation de mise à jour logicielle auprès d'un industriel, mais pour bien le compte de l'établissement ou du professionnel de santé, en l'occurrence, nous, c'est les établissements, qui en fait la commande. Je pense que c'est très important qu'on rappelle ces éléments-là en introduction pour bien reparler de la même chose. On est bien sur un dispositif d'achat pour compte. Et donc, le financement est attribué en contrepartie d'une réalisation effective de cette prestation dans le cadre réglementaire que justement on a évoqué et qui va être publié dans les prochains temps. Et enfin, un dernier point, les industriels aujourd'hui sont libres de s'engager dans le dispositif, comme chaque professionnel de santé et établissement est libre de souscrire ou non à cette mise à jour.
Il n'y a pas d'obligation à ce que ce soit le cas, même si derrière, il y a des obligations réglementaires d'atteindre un certain nombre d'alimentation du DMP ou d'utilisation de la messagerie sécurisée de santé, par exemple, et de l'INS. Mais ces dispositifs-là d'accompagnement financier ne sont pas obligatoires. Très rapidement, parce qu'on veut quand même arriver à l'ensemble de la présentation, au corps de la présentation. Je vous disais tout à l'heure qu'on avait quand même travaillé sur le sujet depuis pas mal de temps avec l'ensemble des partenaires, hein, fédération éditeur, fédération hospitalière, pour aboutir à la proposition qui est faite aujourd'hui et qui nous paraît être le meilleur compromis de l'ensemble des souhaits de l'ensemble de l'écosystème pour cette vague 2. Et donc, on a eu un triangle, hein, d'arbitrage à faire entre le périmètre technique, les conditions administratives et les montants à attribuer et les délais réglementaires qu'on vous présente l'ensemble aujourd'hui. Et donc, ça a amené à la prépublication des dispositifs le 22 mars dernier avec donc une publication imminente. Et donc, justement, pour consulter ces documents, vous retrouverez l'ensemble de ces versions de pré-publication sur la page Hôpital Ségur de l'Agence du numérique en santé, avec les autres informations qui vous intéressent, par exemple la base des établissements éligibles au programme, dont on vous reparlera plus tard, mais aussi il y a des éléments plus dédiés aux éditeurs, tels que les documents relatifs aux tests d'intrusion dont on vous parlera un peu plus tard, et des exigences liées à la Dreambox. Voilà. Encore une fois, comme je l'ai dit en introduction préalable, l'ensemble des éléments qui font foi seront ceux de la publication et non pas de la pré-publication, mais il y a très peu d'évolution entre ces éléments. Donc, maintenant que j'ai fait l'introduction, on va arriver au cœur de la présentation avec cette deuxième partie qui est quelles sont les fonctionnalités et le paramètre technique de la vague 2 pour l'hôpital. Et je laisse Inès faire les premières présentations. Très bien. Merci Clara. Du coup, effectivement, en termes de périmètre, hein, la vague 2, elle adresse les deux dispositifs suivants, donc DPI et PFI. Je paraphrase Clara en rappelant que du coup, le dispositif RI, un référentiel d'identité, ne rentre pas dans le périmètre de la vague 2. Donc, concernant le DPI, donc, les exigences adressées par la vague 2 couvrent un certain nombre de thématiques qu'on va vous présenter sous un angle fonctionnel. Et donc, si vous souhaitez aller plus loin dans la compréhension de ce périmètre fonctionnel en adressant des spécificités plus techniques, on vous invite du coup à vous rendre sur le site de l'ANS et à consulter le REM, le référentiel d'exigences minimales, dans lequel vous pourrez visualiser de manière unitaire toutes les spécifications qui sont demandées aux éditeurs pour pouvoir bénéficier du référencement vague 2. Mais là, l'idée de ce premier séminaire, c'est d'avoir déjà une première porte d'entrée et de compréhension via un prisme fonctionnel. Donc, sur la partie DPI, on adresse les objectifs suivants, donc la gestion et le partage des documents de santé, la consultation et l'alimentation du DMP ou des documents de mon espace santé, la gestion de la messagerie sécurisée de santé, l'identification électronique et ProSanté Connect, la sécurité des SI, la production d'indicateurs et enfin, on reprend un certain nombre d'exigences issues de la vague 1 sur la partie DPI pour lesquelles on apporte des améliorations. Donc ça, c'est le périmètre fonctionnel qui est adressé dans le cadre du dispositif DPI. Si on regarde du coup le dispositif PSI, donc là, on est sur la gestion et le partage des documents de santé, l'alimentation du DMP Mon Espace Santé également, la gestion de l'AMS Santé, la sécurité des SI, également la production d'indicateurs et également des exigences qu'on vient d'améliorer et pour lesquelles on avait fait déjà des spécifications sur la vague 1 sur la partie PSI. Et donc l'idée, hein, la logique de cette présentation, c'est qu'on vienne du coup vous expliciter pour tous ces objectifs que je viens de vous présenter, les fonctionnalités qu'on souhaite adresser à travers la vague 2. Donc sur la gestion et le partage des documents de santé,
Donc là, on rappelle hein, les objectifs du Ségur numérique que vous connaissez bien. Hein, c'est vraiment de permettre aux professionnels de santé de disposer en fait, d'évolutions logicielles qui leur permettent de produire et de partager des documents de santé dans des formats enrichis et interopérables. Cette première ambition, elle a été couverte par la vague 1 en systématisant, on va dire, les mécaniques permettant de produire des documents de santé et de venir alimenter mon espace santé. Et là, on va venir adresser, en fait, la gestion et le partage autour du prisme de la consultation, notamment, et de l'intégration des documents de MES et de la MSS dans les DPI. Alors, concrètement, ça se traduit par le fait, cette gestion et ce partage, de permettre à l'utilisateur depuis son dossier patient en local, d'exploiter au mieux les documents disponibles dans le DMP ou reçus par messagerie sécurisée de santé, en identifiant parmi tous les documents du logiciel les documents intégrés manuellement depuis le DMP et la MS Santé, afin finalement que le professionnel de santé soit conscient de la provenance des documents sans qu'il ait à réaliser une multitude de clics. On souhaite également faciliter le fait d'informer l'utilisateur qu'un document du DMP est déjà présent dans le dossier du patient en local. Et également informer l'utilisateur qui consulte un document dans le dossier en local qu'une version potentiellement plus récente du document est disponible dans le DMP du patient ou que le document a été supprimé. Donc ça, c'est le premier enjeu concernant la gestion et le partage des documents de santé. Ensuite, on souhaite également, à travers cette vague 2, mettre en place des fonctionnalités qui permettent à l'utilisateur, depuis le dossier du patient en local toujours, de partager au mieux les documents disponibles dans le DMP ou reçus par MS Santé. Et donc ça se traduit par le fait d'identifier parmi tous les documents du logiciel les documents qui ont été déjà envoyés vers le DMP et la MS Santé pour éviter notamment d'avoir à envoyer finalement des doublons de documents qui étaient présents dans le DPI vers le DMP. Mais également produire des documents avec un contenu intra-document identique, quel que soit son format. Et enfin, le dernier enjeu qu'on souhaite adresser, ou l'objectif, c'est de permettre la visualisation des documents de santé consultés dans le DMP ou reçus par MS Santé au format CDA, en particulier pour permettre en fait, l'affichage de métadonnées des documents, ce qui permettra finalement de fluidifier cette visualisation des documents et de permettre à l'utilisateur d'identifier plus rapidement les documents qu'il souhaite consulter ou pour lesquels il trouve un intérêt à procéder à cette consultation. Voilà. Et on a le cas dans les cas des documents au format CDR de niveau 3, l'idée, c'est vraiment de proposer un affichage unique de ces documents au format CDR de niveau 3 en permettant une visualisation au format PDF pour que ceci soit rendu lisible de tout utilisateur. Donc voilà sur la partie gestion et partage des documents de santé en termes d'objectifs et d'enjeux à couvrir. Je voulais juste te dire, du coup, pour permettre tout ça, on allait un peu plus loin dans la vague 2 que ce qui a pu être fait dans la vague 1 pour notamment, en fait, avoir plus de précision en termes de spécification en matière d'interopérabilité. Et donc, du coup, je laisse la parole à Clara qui va expliciter ce sujet. Alors, on ne va pas aller très loin aujourd'hui hein, dans ce webinaire sur ce sujet-là. Si certains sont intéressés, il y aura d'autres occasions. Là, ce qu'on vient de dire, c'est que, effectivement, comme vient de le dire Inès, en vague 1, la partie alimentation du DMP et échange avec la MSS sur la partie DPI n'avait pas été standardisée entre les fonctions DPI et PFI. Et on a vu que ça avait engendré un certain nombre de difficultés au moment de la vague 1 et que ça aurait été mieux, mais on va le faire maintenant, de spécifier ces flux. Et donc, c'est l'objet de ce volet hein, qui était déjà existant pour la partie biologie et radiologie, qui a eu quelques évolutions depuis la vague 1, notamment grâce au retour d'expérience des éditeurs et des établissements de la vague 1, et qui a donc maintenant un nouveau nom, il ne s'appelait pas comme ça, mais transmission de documents CDA en HL7V2, puisqu'il se base sur la norme HL7V2, et pour qu'on puisse envoyer justement entre le DPI et la fonction PFI les bons éléments pour alimenter le DMP et envoyer les documents par messagerie sécurisée de santé. Il y a tout un tas de spécifications qui sont du coup précisées dans ce volet du CISIS. Et enfin, pour la vague 2,
Il y a pour la partie retour donc de la maison de santé, il y aura des schémas juste après pour mieux expliciter. On a également standardisé le flux d'interopérabilité entre cette fois la fonction PFI vers la fonction DPI dans ce volet qui s'appelle transmission LPS de documents provenant d'un courrier par messagerie sécurisée de santé, pour là encore que l'ensemble des éditeurs puissent et des solutions interagir au mieux entre elles. Justement, c'est peut-être plus simple avec un schéma. Alors, ce schéma, vous devez, pour un certain nombre, voir de quoi il s'agit. On a bien les trois fonctions qui sont couvertes par le Ségur du numérique en santé et la fonction RI qui était seulement sur la partie Vagune. Aujourd'hui, on se concentre sur fonction PFI et DPI. Et donc là, vous voyez en couleur que la fonction DPI reçoit un certain nombre de flux différents de la part de ces logiciels partenaires. Et donc, ce que je viens d'évoquer, c'est la première flèche là, sur, en haut entre la fonction DPI et la fonction PFI qui est donc standardisée, et la nouvelle qui est les documents reçus par MS Santé, puisque la fonction PFI va récupérer les documents reçus par MS Santé via la boîte aux lettres applicative qui permettra donc d'intégrer les documents directement dans le dossier patient informatisé. Il y a également pour l'identité patient avec l'INS, mais aussi on le verra, la partie information et non-opposition du patient à la consultation de son DMP, donc le flux qui est appelé IHEPAM qui a été mis à jour. Et alors vous verrez pourquoi on a mis que les informations du DMP en fait arrivent directement dans la fonction DPI, c'est qu'en fait l'ensemble des transactions avec le DMP sont sur un mode plutôt synchrone, à la différence des autres. Et donc, après un certain nombre d'études avec sur les fonctionnalités métiers attendues, on a décidé que le DPI allait directement échanger avec le DPI et pour la consultation du DMP. Et donc, l'ensemble de ces flux sont à mettre en œuvre par le DPI dans le cadre de la vague 2. Et nous avons le même schéma pour la fonction PFI, qui aussi couvre la partie RIS et SGL, notamment dans le cadre de la vague 1. Et puis, on y a mis aussi, pour la vague 2, sur la fonction RIS, les documents reçus par MS Santé, puisque c'est ce qui est envisagé pour le SONS RIS, mais qui est pour l'instant pas encore ni prépublié ni publié. Donc, voilà pour cette première partie de la gestion et partage des documents de santé et cette partie plus flux d'interopérabilité entre les différentes fonctions. Inès, je te laisse reprendre. Oui, très bien, merci. Alors, la deuxième RIC hein, qu'on adresse, hein, c'est la consultation et l'alimentation du DMP où on va aller plutôt vers la cible des documents de mon espace santé qui correspondent à la brique DMP de mon espace santé. Donc, si on passe à la slide suivante, Clara. Voilà, donc les objectifs ou les enjeux hein, qu'on souhaite adresser sur cette brique-là sont les suivants. Donc, on a un vrai enjeu, en fait, hein, c'est quelque chose sur lequel on nous avait pas mal challengé dans le cadre de la vague 1, mais un enjeu autour de l'enregistrement de l'information du patient et de sa non-opposition sur le fait à la fois d'alimenter, en fait, mon espace santé, mais également de consulter les documents de mon espace santé. Et l'impact finalement de cet enregistrement sur la manière dont le système fonctionne en bloquant ou non la consultation notamment des documents de mon espace santé. La consultation directement depuis le logiciel métier du DMP du patient par un membre de l'équipe de soins qui le prend en charge et qui constitue du coup l'objectif majeur de la vague 2, vous l'avez compris. L'alimentation du coup systématique du DMP du patient qu'on vient renforcer, hein, c'est vraiment l'objet qu'on a adressé dans le cadre de la vague 1, mais l'idée c'est qu'on vienne renforcer encore cette alimentation avec le fait de venir déposer dans mon espace santé des copies numériques des documents qui lui sont remis à chaque épisode de prise en charge en renforçant les fonctionnalités déjà présentes en vague 1 et pour lesquelles on aurait peut-être pu identifier des améliorations nécessaires. Et enfin, un sujet également qui nous est pas mal parvenu dans le cadre de la vague 1 et qu'on a souhaité adresser dans cette vague 2, c'est l'amélioration de la gestion de la visibilité des documents de santé pour les patients, en particulier pour les documents dits sensibles,
notamment dans le cadre effectivement de consultations d'annonces pour lesquelles on a pu constater le fait qu'on avait déposé dans mon espace santé des documents qui annonçaient des diagnostics assez sensibles sans que le patient ait été prévenu à l'avance. Et donc voilà, il y a tout un volet autour de la gestion de la visibilité des documents pour justement faciliter ces cas d'usage. Donc, concrètement, ça veut dire quoi l'adressage de ces enjeux-là? Ben, ça se traduit par le fait que, d'une part, le patient doit être informé de l'alimentation et de la consultation de son profil Mon Espace Santé et doit pouvoir exprimer son opposition à l'alimentation et ou à la consultation lors de sa prise en charge. Et donc ça, en termes de cas d'usage ou de pratiques très opérationnelles, eh bien la vague 2 va permettre en fait aux professionnels de disposer de logiciels qui vont leur permettre du coup de savoir sans clic si leur patient, d'une part, a un profil Mon Espace Santé ouvert et d'autre part, si son accès en tant que professionnel de santé est autorisé. Par ailleurs, le professionnel pourra connaître sans clic la provenance et le statut des documents intégrés dans son dossier patient informatisé. Et il pourra disposer également plus facilement des informations minimales pour orienter son choix dans la lecture des documents à travers la mise à disposition d'une liste de métadonnées qui lui permettra du coup d'identifier très rapidement les documents qui incarnent quelque part un intérêt dans la prise en charge et vers lesquels il pourra aller vers un clic et une consultation plus facilitée. Et enfin, le professionnel pourra manuellement télécharger un document depuis Mon Espace Santé pour le visualiser et l'intégrer dans son logiciel. On insiste sur cet aspect manuel. L'idée, c'est vraiment pas de déverser la totalité du DMP dans les dossiers patients informatisés, mais c'est de donner les mécaniques fluides aux professionnels de santé pour identifier les documents qui les intéressent et ensuite pouvoir les télécharger de manière intégrée dans leur dossier patient informatisé. Voilà. Et en outre, le professionnel pourra également aller regarder les images médicales par le dispositif Dreambox via un lien qui sera présent dans les comptes rendus d'imagerie qui leur permettra d'aller consulter les images associées à travers un appel contextuel. Effectivement, je reprends la parole pour la prochaine slide et j'en profite pour compléter ici le réseau Dreambox hein, qui est donc à distinguer un peu du DMP. Les documents seront dans Mon Espace Santé, mais les images seront au sein des Dreambox avec un format décentralisé à l'inverse de Mon Espace Santé qui centralise l'ensemble des documents. Ce sera un autre dispositif SONS qui est en cours de construction avec les industriels de l'imagerie et qui, du coup, va également être intéressant pour les établissements de santé pour accéder directement aux images et mettre aussi en place dans leurs établissements de santé une Dreambox pour partager avec l'ensemble des autres professionnels intéressés. Et donc, oui, alors ce qu'on voulait vous rappeler aussi, c'est que il y a aujourd'hui en fait trois modes d'accès au DMP, si je simplifie fortement. Il y a le premier qui est le moins en termes d'expérience utilisateur, c'est sur le navigateur directement, en dehors du logiciel, et je vous ai mis le lien, c'est dmp.fr pour PS. Il faut après se connecter, aller chercher le patient, exprimer si effectivement le patient a donné l'autorisation, puisque là, dans le cadre d'un navigateur, on n'est absolument pas au courant si c'est bien dans le cadre d'une prise en charge que le professionnel se connecte. Et ensuite, il arrive sur cette interface qui est l'interface Web PS DMP qui permet d'avoir accès aux différents documents du dossier médical de Mon Espace Santé. Ça, c'est une première manière. Après, il y a, et qui est accessible aujourd'hui pour tous. Il y a une deuxième manière qui est peu implémentée dans les DPI, puisqu'on ne l'avait pas demandé dans le cadre de la vague 1, qui est l'appel contextuel du WebPS DMP, où il est possible donc de faire un passage d'informations du patient, des informations du patient, pour arriver directement sur la page du patient concerné et au sein de son logiciel, mais d'une certaine manière, c'est
c'est l'ouverture d'un navigateur au sein de son logiciel. Donc, ce n'est pas encore optimal, mais aujourd'hui, il est dès à présent possible pour les professionnels motivés et intéressés de le faire. Mais nous, on est convaincus que c'est la troisième option qui permettra de généraliser les usages. C'est depuis directement le logiciel, parce qu'on appelle la consultation intégrée du DMP et avec un mode R, donc authentification indirecte renforcée simplifiée, dont on parle juste après, et qui est l'objet du logiciel de la vague 2, c'est-à-dire que le professionnel, il est dans son outil DPI et il n'a pas à aller au-delà, il est dans l'ensemble de ses fonctionnalités habituelles de l'espace documentaire de son logiciel. Et donc, dans le cadre de la vague 2, la façon de se connecter au logiciel et au DMP plutôt depuis son logiciel, c'est le mode R simplifié. Ça sera uniquement avec cette authentification indirecte renforcée qu'il sera possible d'avoir cette transaction actuelle. Qu'est-ce que ça veut dire, ce mode R simplifié? L'ensemble des éléments sont indiqués, si certains sont curieux, dans le guide d'intégration du DMP, qui est plus pour la partie technique et industrielle, mais il y a aussi le référentiel de sécurité et d'interopérabilité pour l'accès des professionnels au DMP, on l'appelle de son petit nom référentiel DMP, qui précise l'ensemble des obligations qui pèsent sur les utilisateurs et notamment les établissements qui souhaitent consulter le DMP. Et une des premières choses, exigences qu'il est demandée, c'est l'obligation d'une authentification en double facteur de l'utilisateur sur le logiciel ou alors parfois sur la session, mais c'est plus rare. Mais dans les prochaines années, on peut envisager que ce soit le cas. Aujourd'hui, dans la vague 2, ce qu'on demande, c'est que ça soit possible sur le logiciel de DPI. Cette authentification à double facteur, elle est non seulement technique, mais elle est extrêmement organisationnelle et ça sera un des gros chantiers, on verra à la fin, qu'il faut mener, mais qui est déjà par ailleurs hein, dans le référentiel d'identification électronique qui a été rendu opposable par le ministère. Ensuite, en niveau technique, il y a aussi la transmission systématique du FINES de l'établissement, mais aussi de l'identifiant RPPS de la personne à l'origine de la transaction. Pourquoi? Ça paraît peut-être un petit peu beaucoup d'actions pour la consultation, qui n'est pas ce qui est fait côté alimentation, mais c'est parce que si on se place un tout petit peu en tant que patient, et en tant que nation de l'Europe qui promeut notamment le RGPD, on a besoin d'avoir une traçabilité des actions qui ont été faites sur les documents de mon espace santé. En effet, c'est très important pour nous d'avoir cette traçabilité. Et puis, il y a également le fait que tous les documents ne sont pas accessibles selon leur type à l'ensemble des professionnels. Et donc, c'est ce qu'on appelle la matrice d'habilitation du DMP qui conditionne l'accès en lecture à certains types de documents. Et on a besoin effectivement de connaître du coup l'identifiant RPPS pour pouvoir faire cette distinction. Donc, pour toutes ces raisons-là, cette transmission systématique de l'identifiant est nécessaire pour la consultation du DMP. Et enfin, alors il y a d'autres exigences, hein, mais on vous a rassemblé les trois principales. Il y a un certain nombre d'autres conditions qui sont mises dans le référentiel DMP qui va permettre à l'établissement de s'homologuer pour l'utilisation du mode R dans une liste blanche et c'est l'objet d'une contractualisation directement avec la CNAM. Voilà pour les attendus du mode R simplifié. On en rediscutera évidemment dans le cadre de d'autres webinaires. C'est une première approche pour ceux qui notamment ne connaissaient pas. Et là, effectivement, ce qu'on a essayé de mettre dans ce schéma, c'est l'ensemble des étapes du parcours utilisateur pour la consultation DMP. Inès? Oui. Oui, oui. Donc, l'idée, vraiment, c'est de vous illustrer, entre guillemets, dans la vraie vie, à travers un cas d'usage, finalement, comment s'incarne
l'ensemble de ces fonctionnalités qu'on vient de vous adresser, de vous expliquer. Donc, la première étape consiste bien entendu à qualifier l'INS. On n'a pas forcément insisté là-dessus, mais cette notion-là, elle est centrale puisque sans qualification de l'INS, vous le savez, on ne peut ni alimenter ni consulter le DMP. Donc, du coup, c'est le préalable à tout. Donc, la qualification de l'INS. Ensuite, effectivement, on a beaucoup de questions sur le sujet, je vois dans le chat, et vous inquiétez pas, je pense qu'on aura potentiellement des webinaires, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on aura un corpus documentaire qui viendra vous accompagner sur cette notion d'information patient et de recueil de la non-opposition de l'accès au DMP du patient. Donc voilà, ça, ce sont les, on va dire, les étapes préalables. Ensuite, lorsqu'on arrive à avoir ces deux étapes préalables, eh bien là, on demande effectivement une connexion en authentification double facteur, soit sur le logiciel métier du professionnel de santé, soit sur la session système utilisateur. Et pour consulter du coup le DMP, la vague 2, comme le disait Clara, exige une authentification au DMP via R simplifié. Ensuite, on accède au DMP si, du coup, l'INS du patient est qualifié, si bien entendu son espace santé, il dispose d'un profil en espace santé activé, donc si son DMP existe, et si au préalable, par rapport à l'étape, oui, vas-y Clara, tu veux intervenir. Oui, parce que tu as dit activé, et il faut bien faire la distinction entre ouvert et activé pour mon vrai espace santé. Exactement. Et donc aujourd'hui, je pense que c'est très important de dire que ce n'est pas parce qu'un utilisateur n'a pas un patient n'a pas activé son espace santé qu'il ne peut pas recevoir des documents de santé et que d'autres professionnels ne peuvent pas y accéder. Oui, oui, tu as tout à fait raison. Donc, il faut faire la distinction entre existence et activé. Oui. Donc, si le DMP existe et si le patient, du coup, par rapport à l'étape 1, ne s'est pas opposé à l'accès à son DMP, et donc via une autorisation d'accès individuel qui sera tracée dans le système. Et enfin, en intermédiaire, en troisième étape, donc du coup, le système il met en évidence pour le professionnel de santé l'existence de nouveaux documents et le nombre associé, et d'autres informations qui pourraient être utiles avec, du coup, des filtres préparamétrés. Donc là, l'idée, c'est de permettre aux professionnels de santé d'aller rechercher des documents en établissant un certain nombre de filtres en fonction du coup de paramètres qui seront disponibles dans le logiciel. Le système ensuite affiche la liste des documents disponibles selon leur type avec leurs métadonnées et signale les documents invisibles aux patients. L'utilisateur, une fois qu'il a accédé à cette étape 3, il est en capacité du coup de visualiser les documents du DMP sélectionnés dans la liste grâce à la liste des métadonnées. En fonction, bien entendu, de sa matrice d'habilitation, pour savoir quels sont les types de documents auxquels il a droit et quels sont ceux pour lesquels il n'a pas le droit, ben forcément, on ne lui donnera pas la capacité de visualiser ces documents, mais pour ceux pour lesquels il est autorisé, il y aura cette visualisation rendue possible. L'utilisateur peut effectuer une recherche plus précise, et donc là, l'éditeur pourra proposer plus de possibilités en termes de paramétrage. Et enfin, en dernière étape, le système permet l'intégration d'un ou des documents à la demande de l'utilisateur et le système le range dans le bon dossier ou sous-dossier du patient. Et c'est ça qu'on appelle notion intégrée, c'est-à-dire que le professionnel de santé, directement depuis son logiciel métier, il n'a pas besoin de sortir de l'univers, de son univers en fait de pratique. Il est vraiment dans son logiciel et à partir de son logiciel, il est capable du coup de visualiser et d'intégrer sans sortir de son logiciel les documents qui vont venir finalement se ranger directement dans son dossier patient informatisé au bon endroit, c'est-à-dire au bon dossier patient. Et enfin, le système affiche la provenance du et des documents et l'éditeur pourra également proposer plus de traitements s'il le souhaite. Voilà. Et tout ceci, ça repose bien entendu sur les fonctionnalités qui sont présentes dans la vague 2, mais ça repose également sur des documents qui sont préexistants, à savoir le guide d'intégration du DMP et le référentiel de sécurité et d'interopérabilité du DMP à l'attention à la fois des établissements de santé et des professionnels de santé. Ina, je vais me permettre de rajouter que notamment, en fait, quand on dit que l'action système en deux permet derrière d'avoir un certain nombre d'informations vis-à-vis de la précédente slide, une des exigences clés de la vague 2, c'est de pouvoir avoir
au niveau de l'espace patient, du dossier médical du DPI, une information rapide du nombre de documents récemment alimentés, s'il y en a, pour que le professionnel de santé puisse rapidement savoir si oui ou non ça vaut le coup d'aller dans le DMP, enfin de poursuivre sur ne pas aller dans le DMP parce qu'il reste dans son logiciel, mais s'il y a des éléments intéressants à prendre en compte dans le DMP. C'est vraiment pour qu'il y ait, comme on dit souvent, le moins de clics possible. Après, il y a un certain nombre de paramétrages, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais c'est une des fonctionnalités clés que l'on a demandé aux éditeurs de développer dans le cahier des charges. Un point sur lequel que je viens de voir une question et qui est importante d'évoquer, c'est que après l'étape 5, où effectivement hein, le système a du coup intégré un document depuis le DMP et ce document a donc un signe distinctif pour dire qu'il vient du DMP, il quitte l'univers du DMP pour intégrer celui du DPI. Et donc, l'ensemble des conditions et caractéristiques hein, de matrice d'habilitation et d'archivage et de stockage sont bien maintenant du DPI et non plus du DMP. Il y avait certaines questions sur le fait qu'on quitte la matrice d'habilitation du DMP quand on l'intègre complètement dans le DPI. Effectivement, il devient un document comme les autres au sein du DPI. Et donc, j'ai vu aussi qu'il y avait plein de questions sur l'information du patient à l'accès de mon espace santé. Les deux slides que je vais présenter ne suffiront probablement pas à répondre à l'ensemble de ces questions, tellement le sujet est important. Et donc, on reviendra vers vous avec d'autres sessions pour peut-être parfois plus interactives pour qu'on puisse avoir ces éléments ensemble. L'objectif de la vague 2, pourquoi on en parle beaucoup plus en vague 2 qu'en vague 1, c'est que en vague 1, l'alimentation du DMP, c'est très important de pouvoir s'y opposer, évidemment, mais en termes de risque vis-à-vis du professionnel de santé, c'est vrai que l'accès, c'est-à-dire la consultation de mon espace santé et des documents qu'il y a dedans, quand il y en a beaucoup, c'est tout de suite... Un vrai élément d'information sur le patient. Et donc, c'est pour ça que dans les deux cas, hein, il est nécessaire de garantir que l'information du patient soit effectuée, mais on ne va pas chercher exactement la même chose. En fait, on ne va pas avoir un comportement du logiciel exactement similaire en fonction de du fait que ça soit l'alimentation ou la consultation. Je suis en train de dire qu'en même temps de parler, il y a une slide qu'on aurait pu mettre et qu'on n'a pas mis, mais qu'on mettra dans les prochaines fois. Donc, on l'a dit, le patient doit être informé et si il s'y oppose, alors on ne peut pas accéder au DMP. J'ai vu qu'il y avait des questions sur le fait que est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'anticiper un peu ces éléments-là et d'informer le patient en amont de la prise en charge. Aujourd'hui, l'ensemble de ces fonctionnalités-là sont dans la vague 2, mises au sein du DPI. C'est possible de le recueillir avant, mais il y a des flux d'interopérabilité qui doivent être mis en œuvre. C'est pour ça qu'on a mis à jour avec l'association Interop Santé le flux IHEPAM pour pouvoir justement activer au sein de l'établissement le fait de pouvoir avoir cette information en amont. Néanmoins, je tiens c'est la dernière slide, la dernière phrase. Aujourd'hui, la prestation Ségur vient mettre à jour le DPI avec le demi-connecteur IHEPAM mis à jour, mais le reste n'est pas pris en compte dans le cadre, pris en charge dans le cadre du Ségur. Je reviens sur d'autres questions qui ont été posées sur le fait que l'information et l'opposition du patient sont à quel niveau? Et c'est là qu'on vient dire au sein de la vague 2 qu'ils sont concerne et s'applique à l'ensemble de l'équipe de soins. En effet, hein, c'est le consentement, il est dit donc présumé pour l'équipe de soins et les membres de cette équipe de soins qui prend en charge le patient. Et nous, on considère qu'en étant en consultation intégrée au sein du logiciel, au sein d'un établissement,
avec un certain, il existe déjà des règles d'accès aux différents dossiers patients par les professionnels de santé au sein des DPI, qui peuvent être renforcées d'ailleurs, mais il en existe. Et donc, on est bien au sein d'une équipe de soins pour dans cette configuration-là. Et donc, on n'est pas à la maille individuelle de chaque professionnel. Et on est bien aussi à la maille de l'épisode de soins. Il y avait des questions. On ne pourrait pas, en fait, dire que le patient s'oppose à l'ensemble des établissements de santé, ou alors peut-être qu'on peut lui suggérer dans ces cas-là de fermer mon espace santé, même si c'est dommage. C'est bien à la maille de chaque épisode, parce qu'il peut changer d'avis entre chaque possibilité. D'ailleurs, au sein même d'un épisode de soins, il peut également changer d'avis. Et dans ces cas-là, le logiciel peut du coup enregistrer cette information. Sur la partie alimentation, j'ai vu qu'il y avait aussi des questions sur le motif légitime. Aujourd'hui, ce motif légitime n'est pas enregistré, c'est-à-dire qu'il est dit à l'oral par le patient à la personne qui est notamment le professionnel de santé qui va alimenter ou en amont, mais le motif en lui-même n'est pas enregistré. C'est une donnée de santé et donc on ne l'enregistre pas. Et il n'y a pas de motif légitime pour s'opposer à la consultation de l'UDMP. J'espère que j'ai été claire. Je pense qu'on pourra, voilà, on pourra y revenir. Nous, ce qu'on a mis également au sein des DSR, c'est un exemple. Attention, hein, on dit que c'est un exemple pour les solutions logicielles. Ce n'est pas exactement ça que les éditeurs vont pouvoir mettre en œuvre, mais c'est pour expliquer la logique. C'est qu'aujourd'hui, on peut notamment avoir plusieurs possibilités, que le patient est informé ou non opposé et non opposé à l'utilisation de son DMP. Et dans ces cas-là, toutes les actions sont possibles. Le patient est informé, est opposé, dans ces cas-là, toutes les actions sont inaccessibles. Et puis, certains ont posé la question, il y a toujours l'accès en mode brise-glace quand le patient n'est pas en capacité de donner cette information ou son opposition. Et le professionnel est dans une situation qui est légitime pour pouvoir accéder au DMP. Dans ces cas-là, il indique le motif qui est transmis au DMP. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour la question aujourd'hui qu'on voulait vous présenter. Dans le fait qu'il nous reste encore un certain nombre de sujets à vous présenter dans les prochaines slides. Notamment la gestion de la MS Santé. Alors, sur la gestion du coup de la messagerie sécurisée de santé, donc en termes d'enjeux hein, qu'on souhaite adresser et du coup derrière de traduction en termes de fonctionnalités cibles, hein, l'objectif vraiment autour de la MS Santé, c'est de faciliter l'intégration dans les dossiers patients informatisés des documents qui sont reçus par la messagerie sécurisée de santé au format CDA. Et donc, c'est important de le dire parce que sans ce format CDA, la valeur ajoutée qu'on souhaite vous apporter à travers l'intégration de la MS Santé ne sera pas possible. Donc, du coup, l'idée, c'est vraiment de permettre à un document reçu dans une boîte aux lettres applicative d'être ajouté dans le dossier du patient du DPI sans action manuelle, lorsque les INS des patients ont été qualifiés de part et d'autre des établissements destinataires et émetteurs. Donc ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième objectif ou enjeu, c'est vraiment de permettre aux utilisateurs d'être informés de la présence de nouveaux documents qui sont intégrés au système, donc dans le DPI, et qui seraient issus du coup d'envoi par la messagerie sécurisée de santé professionnelle. Ensuite, c'est de permettre de traiter les cas où l'émetteur a corrigé, modifié ou supprimé le document et l'a renvoyé au destinataire à travers la mise en place d'un système en fait de remplacement et de suppression logique, sachant qu'on mettra en place la possibilité de disposer encore de l'ancienne version du document qui avait été initialement adressé. Mais voilà, ça évite de disposer dans le dossier patient informatisé en fait de documents faux ou adressés à des mauvais patients, avec la possibilité justement de suivre en fait ces corrections. Donc ça, c'est possible dans le cas effectivement où on est dans un univers où les INS sont qualifiés de part et d'autre. Si on est dans le cas où effectivement les traits d'identité ne correspondent pas,
Alors là, l'idée, c'est que le DPI destinataire renvoie un message d'erreur d'intégration à la fonction PSI qui enverra un courrier à la boîte aux lettres personnelle ou organisationnelle ou autre, selon le choix de l'établissement. Et donc, en gros, pour faire simple, c'est de permettre finalement que ces documents soient rapatriés dans une boîte aux lettres autre pour que l'utilisateur puisse aller consulter cette boîte aux lettres et importe du coup manuellement le document dans le logiciel, puisqu'en fait le rapprochement des traits n'aura pas pu être en place. On ne peut pas se permettre du coup, sans ces rapprochements-là, d'intégrer de manière automatique un document pour lequel en fait l'identification du patient n'est pas assurée. Et donc dans ce cas-là, le système est capable d'alerter l'utilisateur en lui disant on a un nouveau document qui a été reçu par MS Santé, mais ce document ne nous permettant pas d'être rattaché au bon patient, on le configure par sécurité dans une boîte aux lettres dédiée et du coup, on demande à l'utilisateur de se rendre dans cette boîte aux lettres et du coup, de procéder à l'apport du document de manière manuelle au bon endroit dans le DPI, sachant qu'il y aura une facilitation par rapport au fait de ranger ce document, puisque comme on s'inscrit dans un format CDA, eh bien, on aura des données qui permettront à l'utilisateur d'identifier plus facilement là où il doit venir classer le document dans son DPI. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. En tout cas, si ça ne l'est pas, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et on y répondra parce qu'on a conscience que ça fait beaucoup d'informations en même temps. Inès, peut-être qu'on peut dire effectivement qu'il y aura d'autres... aujourd'hui, on doit faire l'ensemble du panorama. On a, comme pour le DMP, un schéma plus précis sur la gestion de la MS Santé en retour, en réception, mais qui commence à être un peu long à présenter en séance, donc on ne l'a pas mis, mais vous pourrez le connaître à d'autres moments par la suite. Identification électronique et ProSanté Connect. On a donc deux derniers sujets et ensuite on passera aux conditions administratives et financières. Donc c'est deux sujets effectivement très très importants aussi et qui vont avec les deux premiers. C'est que donc assez notamment au DPI et au DMP, l'objectif est de pouvoir généraliser l'authentification par ProSanté Connect au service numérique en santé. Hein. Ça, c'est l'objectif global au niveau du ministère DNS et ANS. En l'occurrence, pour la vague d'hôpital, c'est surtout le DMP. Mais néanmoins, on le verra juste après, il y a différentes modalités d'utilisation de ProSanté Connect et il y en a un certain nombre que l'on prend à l'hôpital, mais pas toutes. Et donc là, aujourd'hui, dans le cadre de la vague 2, pour les DPI, on va demander à chaque logiciel proposer cette authentification par ProSanté Connect, que ce soit sur le DPI, par appel contextuel sur le DMP, mais aussi, et je le mentionnais tout à l'heure, sur la Dreambox, et que le fait de pouvoir s'être authentifié au DPI par ProSanté Connect puisse justement simplifier et fluidifier la connexion aux autres services proposés par ProSanté Connect sans réauthentification. Après, je rappelle, ce n'est pas la seule manière de s'authentifier au sein d'un DPI. C'en est une, mais ce n'est pas la seule. Au sein du Ségur, on demande à ce que ce soit le cas, mais les établissements ont le choix d'en prendre d'autres. Et justement, dans cette optique-là, le DPI va également du coup s'authentifier sur une base locale des comptes en reprenant le protocole de standard OpenID Connect qui sous-tend l'outil ProSanté, la plateforme ProSanté Connect. On a fait quelques rappels réglementaires, mais néanmoins, c'est pas l'objet du webinaire de repallier l'ensemble de ces éléments-là. On rappelle juste que tout cela se positionne dans le cadre du référentiel d'identification électronique que j'évoquais déjà tout à l'heure et qui a aussi une autre expérimentation et programme qui n'est pas uniquement dans le cadre du Ségur. On vient juste ici demander aux éditeurs de pouvoir l'implémenter.
Là aussi, on est toujours côté DPI. Et donc, de la même manière qu'on avait plusieurs manières de s'authentifier au DMP, là, on voulait vous repréciser un petit peu les modes d'authentification. Et donc, aujourd'hui, en consultation en intégré logiciel dans le DPI, seul, et je tiens à préciser, seul le mode R simplifié sera imposé au DMPI. Il y avait une question sur ce qu'on appelle les API Pro Santé connectées. Aujourd'hui, le choix n'a pas été de prendre ces API Pro Santé connectées. Si certains sont intéressés, ils peuvent nous contacter. Ça a fait l'objet d'arbitrage, mais on vous présente aujourd'hui dans ce webinaire ce qui est aujourd'hui dans la vague 2. Et donc, ce mode permet, comme on disait tout à l'heure quand je le présentais, l'accès par certificat et un certain nombre d'exigences, dont une contractualisation avec la CNAM. Ensuite, je vous parlais tout à l'heure de l'appel contextuel du WebPS DMP. Ici, il est possible de se connecter à la fois via le mode R simplifié, mais aussi par ProSanté Connect. Et c'est les deux modes que l'on demande aux éditeurs dans le cadre du cahier des charges pour que les établissements, en fonction de leur situation, puissent choisir la solution qui les convient. Et en l'occurrence aussi par professionnel. Et ensuite, il est demandé, comme je disais tout à l'heure, d'implémenter ProSanté Connect pour l'authentification des utilisateurs au DPI pour toutes les solutions, là où en vague 1, ça avait été uniquement les applications web. On a essayé de mettre un exemple parce que le sujet n'est pas simple et c'est un exemple d'usage. Donc, si un utilisateur est connecté via ProSanté Connect à son DPI, notamment si c'est une application web et qui était déjà le cas en Vagune, mais que l'établissement n'est pas conforme au mode R simplifié et n'a pas contractualisé, donc en liste blanche pour accéder au DMP, ce qui est à peu près une grande majorité des établissements aujourd'hui, l'utilisateur ne pourra pas avoir accès au DMP via la consultation intégrée logicielle, mais par contre pourra avoir accès via l'appel contextuel si son éditeur le propose aujourd'hui, ou en tout cas pendant la vague 2, ça sera également possible. Voilà sur la partie identification électronique et ProSanté Connect, sachant que il y a d'autres webinaires qui sont déjà en replay sur le site de l'ANS qui détaillent bien plus avec les experts, parce qu'aujourd'hui, c'est nous qui le présentons. Mais si vous avez plein d'autres questions, n'hésitez pas à regarder les webinaires qui sont dédiés à ces sujets-là. Enfin, la sécurité des systèmes d'information. En vague 1, pour rappel, on avait demandé aux éditeurs de remplir un questionnaire sur là où est-ce qu'ils en étaient de la sécurité, mais on demandait juste à le remplir pour savoir justement en vague 2 ce sur quoi il était le plus important d'avancer collectivement. Et donc, on est arrivé à aujourd'hui un certain nombre d'exigences de sécurité dans la vague 2. Qui sont divisés en trois grandes catégories. Le socle commun d'exigence, avec notamment le fait de garantir le niveau de sécurité suffisant de la solution avec ce qu'on appelle des exigences critiques, et que ce socle est du coup applicable à l'ensemble des task forces, et vous pouvez du coup voir les éléments dans le cadre des documents que j'ai évoqués tout à l'heure. Et dans ce socle commun, il y a la validation du test d'intrusion que l'on présente dans la slide juste après. Encore une fois, on n'a pas voulu que dans ce webinaire, ça soit trop technique, que ce soit plus accessible pour tout un chacun. Et donc, il y aura d'autres moments pour pouvoir détailler et vous pouvez consulter l'ensemble des documents, notamment les dossiers de spécification de référencement qui détaillent ces éléments. Deuxième grande brique, l'identification électronique. Troisième grande brique, la gestion des identités et des accès. Et donc là, vous avez le détail entre ce qui est demandé côté DPI et ce qui est côté PFI. Je ne vais pas aller plus dans le détail aujourd'hui, mais comme ça, vous avez quand même déjà ces trois grandes briques en tête. On parlait du test d'intrusion. C'est un sujet qui va aussi prendre pas mal de temps aux éditeurs d'être conforme à ce test d'intrusion.
aujourd'hui, donc, c'est une exigence que les éditeurs sont tenus de réaliser, qui est nommée ici, et qui donne lieu donc, à la complétion d'un formulaire complet qui a été spécifié par nos équipes pour, par l'auditeur et ensuite soumis par l'éditeur dans le cadre de la demande de référencement. Quand on dit un test d'intrusion, celui-ci doit être réalisé par ce qu'on appelle un prestataire qualifié PASI. Ce n'est pas un audit PASI, ceux qui connaissent, mais c'est bien que le prestataire doit être qualifié PASI, tel que défini par l'Agence nationale des systèmes d'information. Et enfin, du coup, il y a des guides pour le test d'intrusion qui vient vérifier un certain nombre de points au sein de la solution. Voilà, encore une fois, je vois qu'il est 18h et qu'on a d'autres sujets à évoquer avec vous. Donc, on a été assez rapide sur ce point-là. Je ne sais pas si Inès, Nolwenn, vous souhaitez prendre la parole pour terminer ce point 2. Je n'ai pas vu s'il y avait d'autres questions sur ça. On y répondra directement dans le chat. Oui, non, on laisse Nolwenn poursuivre. Et on laisse Nolwenn poursuivre sur la partie conditions administratives et financières. Merci. Inès et Clara pour cet exercice pas facile et moi je vais prendre la suite beaucoup plus facile de l'organisation financière de cette vague 2 qui pour ceux qui ont vécu la vague 1 retrouveront beaucoup de choses qu'ils connaissent et puis on verra qu'il y a quelques nouveautés issues notamment de notre expérience vécue pendant la vague 1. Alors pour commencer, je vous propose de visualiser ça sur le voilà sur un parcours global de l'ensemble des étapes, sachant que dans ces étapes-là, certaines ne vont être concernées que par les éditeurs, enfin seuls les éditeurs vont être concernés par ces étapes-là, puisque toutes les étapes référencement échange avec l'ANS et l'Agence de services et de paiement qui s'occupe des financements, ces opérations-là sont réalisées par les éditeurs. Donc, évidemment, étape obligatoire, le point de départ, la parution de l'arrêté. Comme l'a dit tout à l'heure Clara, il n'est pas encore paru au moment où on se parle, mais il marquera donc la publication officielle de l'ensemble de ces documents. Et à partir de là, on aura, on compte, en fait, on a indiqué, là aussi, au regard des délais constatés lors de la vague 1 et bien sûr avec une adaptation au regard du contenu de la vague 2, des délais nécessaires entre eux qui correspondent aux travaux à mener d'une étape à l'autre, entre les premiers qui seront prêts et les derniers. Donc, on ouvre le dossier, on ouvre le guichet de référencement aux éditeurs à environ 6 mois après hein, pour leur permettre de déposer les preuves de leur conformité aux exigences de référencement, ce qui permet aux équipes de conformité à l'ANS de vérifier, d'étudier l'ensemble des preuves pour ensuite pouvoir délivrer le référencement, donc dans toute cette période jusqu'à la fin des possibilités de référencement, les éditeurs peuvent entrer dans cette démarche et déposer et échanger avec l'ANS en cas de difficulté sur certaines preuves ou retravailler la conformité quand c'est nécessaire. On a ensuite une date qui va là impliquer directement les établissements de santé, qui est ce qu'on appelle la date 4, qui, elle, sera la limite pour pouvoir déposer les bons de commande auprès de l'agence de services et de paiement qui va verser les avances et enregistrer donc l'ouverture des dossiers de demande de financement qui sont déposés par les éditeurs. Donc, il y a un travail entre éditeurs et établissements de santé pour signer un bon de commande. On va revenir un petit peu dessus juste après. Donc, il y a une date limite pour faire ces dépôts de ces demandes de financement. Et puis, il y a une date limite pour réaliser les prestations. Donc là, les éditeurs doivent avoir réalisé dans cet intervalle-là la prestation Ségur, dont on va voir le contenu après, et puis une date limite également de dépôt des demandes de solde où là, on s'implique la validation par l'établissement de santé que la prestation a bien été réalisée et que l'ensemble des fonctionnalités est bien opérationnelle.
Donc, si on regarde un peu tout ça dans le détail, on va vous présenter un peu ce qu'on a appelé le parcours financement avec l'ensemble des éléments qui sont nécessaires pour pouvoir ouvrir ce dossier de financement et obtenir à la fin le solde du financement qui, donc, pour rappel, est versé sur la base d'un bon de commande signé par un établissement et versé à l'éditeur directement. Donc, il n'y a pas le circuit par l'établissement. Et même si on a un bon de commande avec un montant et à la fin, une facture établie par le fournisseur, c'est directement l'État qui va régler le montant de cette facture à l'éditeur. Donc, si on passe à la suite, on voit qu'on a dans cette vague 2 deux types de prestations. C'est-à-dire qu'on a intégré dans la vague 2 la possibilité qu'un éditeur n'ait pas référencé sa solution en vague 1, mais également la possibilité qu'un établissement n'ait pas bénéficié de la prestation en vague 1, même si son éditeur était référencé. Et donc, on a deux montants et deux circuits de financement et de validation. Le cas d'un établissement qui n'a pas bénéficié de la vague 1 et le cas des établissements qui ont bénéficié de la vague 2 et qui donc vont de la vague 1, pardon, et qui s'inscriront uniquement dans le périmètre de la vague 2, ce qui donnera lieu à des financements différents. On verra ça en fin de présentation. Donc, il y a des conditions à respecter pour pouvoir être éligible au financement, à la prestation et à son financement vague 1 plus vague 2 qu'on vous présente ici. Donc, il ne faut pas avoir, hein, c'est ce qu'on disait, bénéficier de la prestation Ségur vague 1 et il ne faut pas non plus avoir financé soi-même la version référencée vague 1 puisque du coup, on entrerait dans le cadre d'un double financement pour une même prestation auprès des éditeurs. À chaque fois qu'on parle de ces types de prestations, on est bien sur la prestation DPI ou la prestation PFI, donc vague 1 ou vague 2, et à l'identique de ce qui s'est passé en vague 1 pour un établissement donné. Donc, un établissement, on entend un établissement éligible au sens FINES PMSI, comme on le retrouve dans le fichier des établissements éligibles au programme SONS vague 2. Et donc, chaque établissement ne pourra bénéficier que d'une prestation DPI vague 1, vague 2 ou vague 1 plus vague 2, s'il n'a pas eu la vague 1. Et puis, la même chose pour PFI. Donc, ça fait pour un établissement, sur ce couloir-là, la possibilité d'avoir un financement DPI et un financement PFI, un seul pour chacun. Donc, s'il y a plusieurs DPI dans l'établissement, c'est à l'établissement de choisir sur quel DPI éventuellement il souhaitera bénéficier de ce financement de la mise à jour Ségur. Donc, la première étape pour les différentes étapes, on les a vues un petit peu tout à l'heure. Hein. Première étape, l'émission du bon de commande par l'éditeur et la signature par son client, l'établissement. Donc, un bon de commande antérieur à la publication de l'arrêté n'est pas valable puisque le dispositif n'existe pas, en fait. Hein. C'est la date de naissance du dispositif SONS qui marque le point de départ et donc la première date possible des bons de commande. En revanche, il est possible aux éditeurs, pour permettre d'étaler un petit peu la charge de signature des bons de commande, de faire signer à leurs clients ces bons de commande sous réserve de l'obtention du référencement, avec quand même un délai maximum de 120 jours. Ce dispositif existait déjà sur la vague 1. Et puis ensuite, on est sur le dépôt du bon de commande signé, donc le dépôt par l'éditeur auprès de l'agence, et puis ensuite réalisation des prestations. Et c'est ensuite à l'établissement de signer la vérification d'aptitude que l'éditeur devra ensuite déposer avant la fermeture du guichet. Donc, bien sûr, ces documents doivent être transmis aux éditeurs signés par les établissements avant les dates de fermeture pour que les éditeurs aient le temps de réaliser les démarches auprès de l'agence. Les conditions de commande, donc on est sur une prestation autonome de mise à jour d'un logiciel qui ne peut pas être conditionné à une autre prestation payante pour l'établissement. Donc, l'ensemble des fonctionnalités qui sont décrites dans le cadre de la vague 2
l'ensemble des exigences doivent être mises à disposition des établissements à qui on aura, à qui un éditeur aura proposé cette prestation financée, sans qu'il soit possible pour l'éditeur d'imposer donc une autre une commande liée à cette prestation Ségur. Il y a toutefois quand même une exception qui est la notion de version obsolète. Pour ceux qui ont vécu la vague 1, je pense que c'est bien connu, la notion est bien connue de tout le monde, hein, c'est-à-dire que si la version est obsolète, un éditeur peut toutefois imposer la mise à jour à titre payant pour atteindre en fait un niveau suffisant de version sur laquelle il va pouvoir installer sa version Ségur. Ce qui change en vague 2 par rapport à la vague 1, c'est que les versions obsolètes devront avoir été déclarées par les éditeurs au début de leur processus de référencement. Et donc, il n'y a pas de possibilité de déclarer obsolète une version qui n'avait pas été indiquée à l'ANS au début du référencement. Ce qui n'était pas le cas au niveau de l'information dans le cadre de la vague 1. Donc, ça permet d'avoir un peu plus de clarification. L'ANS publiera donc un certain nombre d'informations sur son site. Sur la vague 1, on ne publiait que les solutions qui avaient obtenu le référencement. Là, les modalités changent et on publiera également les solutions en cours de référencement. Donc, bien sûr, avec toutes les réserves qui iront avec, hein, une solution qui est en cours de référencement, ça indique que l'éditeur est dans la démarche, mais pas qu'il a obtenu son référencement, bien évidemment. Et puis, cette fameuse information sur les versions, quelles sont les versions obsolètes, considérées comme obsolètes, qui auront été déclarées comme telles par l'éditeur. Au niveau du périmètre de la prestation, on est sur un périmètre pareil, équivalent à ce qui avait été décrit en vague 1. Néanmoins, une petite, mais qui a son importance, précision a été ajoutée sur les horaires et jours d'installation, puisqu'il y a des pratiques sur des installations qui se font dans certains établissements en heures et jours non ouvrés, donc on l'a ajouté. Et puis, vous pourrez vous référer au document pour plus de détails, mais il y a des précisions notamment sur les modalités de formation le détail de ce qu'implique l'installation, notamment au niveau des flux interapplicatifs qui font partie des exigences Ségur. Les étapes clés, donc, je ne reviens pas sur les bons de commande. Il faut savoir que le montant de l'avance versée à l'éditeur a été un peu modifié puisqu'on passe là à 40%, c'était 30% en vague 1. La nouveauté dans ces étapes-là, c'est que pour qu'un éditeur puisse faire valoir les demandes de soldes pour l'ensemble de des prestations réalisées, il devra au préalable avoir réalisé et validé avec trois établissements pilotes l'ensemble des installations qui devront donner lieu à un procès verbal. Le terme qu'on a utilisé dans le cadre du Ségur, un procès-verbal qui sera détaillé sur l'ensemble, beaucoup plus détaillé que ce qu'on a vu comme vérification d'aptitude dans le cadre du Ségur, et qui permettra de valider que in situ, on a au moins trois sites sur lesquels l'ensemble des fonctionnalités est bien attesté comme fonctionnel. Donc, c'est à l'issue de la réception de ces trois procès-verbaux qui auront été transmis par l'éditeur qu'ensuite, un éditeur pourra effectuer les demandes de soldes pour l'ensemble de ses autres clients et donc récupérer les 60% restants du montant des prestations. Puis, on a une dernière étape qui, là aussi, existe sur la vague 1, c'est un système de contrôle a posteriori par rapport à l'atteinte de seuil qui nous permettent à nous de valider le fait qu'il y a bien un certain nombre de fonctionnalités essentielles qui sont installées et fonctionnelles au sein des établissements. On ne revient pas dans le détail, mais au moins 10 documents de santé envoyés vers le DMP, au moins 10 messages envoyés vers Mes Santé, donc ça, on l'avait déjà en vague 1. Et puis, sur le DPI, une transaction de consultation du DMP. Voilà pour ces contrôles a posteriori qui nous permettent de valider que le tout fonctionne très bien.
sur le finance, le montant des financements. Donc, les principes, hein, c'est un montant plafond qui est déterminé, qui est calculé en fonction de l'activité combinée. Donc, pour cette vague 2, on s'appuyait sur l'activité combinée de 2022 des établissements. Donc, je pense que cette notion d'activité combinée est maintenant bien connue puisqu'elle est utilisée dans les différents programmes de financement pour les établissements depuis plusieurs années. Donc, il y a une fonction de calcul de progression en fonction de la valeur de l'activité combinée. Plus on monte en charge pour calculer ce montant plafond. Donc, c'est bien, c'est pas le montant de la prestation, c'est le montant maximum de la prestation qui pourra être indiquée sur le bon de commande et la facturation des éditeurs pour chacun de leurs clients. Sachant que par rapport pour calculer ces montants en vague 2, on a pris en compte un certain nombre de paramètres d'évolution entre la vague 1 et la vague 2, c'est-à-dire que il fallait assurer un équilibre économique par rapport à la charge de développement que représentent ces exigences décrites en vague 2. D'autres paramètres que sont l'inflation et puis la maîtrise des finances publiques. Donc, vous voyez là sur les montants maximum d'évolution entre la vague 1 et la vague 2 de financement des pays et PFI. Et puis, on a parlé donc de ce qui était prestation vague 1 plus vague 2. Dans ce cas-là, on n'est pas non plus sur une somme de ce que valait le financement vague 1 plus ce que vaut le financement vague 2, puisqu'il n'y a qu'un seul déploiement. Et donc, du coup, la charge pour un éditeur d'installer vague 1 plus vague 2 est moins lourde que d'installer séparément une vague 1 et une vague 2. Donc là aussi, il y a un calcul qui a été fait pour déterminer le montant plafond de ces prestations vague 1 plus vague 2. Et tous ces montants, vous pouvez les retrouver par établissement dans le fichier en ligne sur le site de l'ANS au niveau de la base des établissements éligibles. Pour information, c'est le même fichier est utilisé dans le cadre du programme CARE, si certains d'entre vous sont allés déjà consulter ce fichier. Et je laisse la parole à Inès sur les prochaines étapes. Inès, c'est à toi. Du coup, le temps qu'Inès retrouve son micro, peut-être. Donc là, on a vu hein, le périmètre technique, les conditions. Nolwenn, tu as très bien expliqué la différence aussi entre la vague 1 et la vague 2. Les prochaines étapes, notamment, Inès, tu reprends la parole dès que tu as retrouvé ton micro. Hein, mais je vais notamment prendre la première partie ici. C'est, comme je le disais en introduction, on est dans le circuit final de validation et de la parution au JORF, voilà, j'arrive jamais à le prononcer, et ça sera cette date de parution qui déterminera ce qu'on appelle le T0 réglementaire pour l'ensemble des délais du dispositif. Et donc là, c'est en cours de signature au niveau du cabinet à l'heure où on nous en parle. Ensuite, ce que devait vous présenter Inès, c'est qu'on essaye, et ce webinaire fait partie, la première brique de l'ensemble du dispositif d'accompagnement de la vague 2, qui sera mené par cible, éditeur, établissement, région, parfois tous ensemble, et parfois un peu plus détaillé selon les besoins de chacune de ces cibles, avec des modalités différentes, un webinaire comme aujourd'hui, des supports, des corpus documentaires. On a beaucoup appris aussi de ce qu'on a fait en vague 1, vis-à-vis de tout ce qui a pu être produit. Et si vous avez des propositions, on est toujours preneur de la manière dont on peut le faire au mieux pour cette vague 2, pour vous accompagner, notamment au moment où le plus opportun. Ensuite, côté éditeur, mais ça c'est plus pour information, il y a les différents guichets de référencement, d'enrôlement, etc., qui seront ouverts progressivement vis-à-vis de l'arrêté. Inès, tu es revenue? Inès est figée depuis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on l'a perdue. Aïe. Ok. Du coup, j'enchaîne. Inès, n'hésite pas. En fait, on voulait aussi
bien insisté sur deux choses. En vague 1, parfois, on a dit un peu tôt que la vague 1 allait arriver et les éditeurs ont parfois mis un petit peu plus de temps que prévu à effectivement proposer les bons de commande et déployer leurs solutions. Et donc, ça a pu créer parfois un peu d'attente auprès des établissements de santé. Mais, et ça sera probablement le cas aussi en vague 2. Aujourd'hui, quand Nolwenn vous a présenté le calendrier, on est plutôt sur des mises à disposition des solutions fin d'année 2024, début d'année 2025 en fonction des solutions. Parce qu'en ce moment, les éditeurs sont mobilisés pour réaliser les développements et se faire référencer. Et du coup, pendant ce temps, il ne faut pas croire que, côté établissement, même si vous avez encore plein de choses aussi à faire concernant les précédents programmes, etc., mais vous pouvez dès à présent préparer et anticiper l'impact de la vague 2 et surtout des fonctionnalités de la vague 2 qui vous intéressent avec un certain nombre de chantiers. Et je crois qu'Inès est revenue par téléphone, donc je te laisse la parole pour la présentation. Oui. Vous m'entendez du coup pour le oui, coup là, très bien. Ouais, d'accord. En espérant que le tel ne tombe pas en rade. Désolée. Donc, du coup, effectivement, je ne vais pas paraphraser Clara, mais l'idée, c'est de profiter justement de ce temps sur lequel les éditeurs planchent pour réaliser les évolutions logicielles par rapport à la vague 2 pour pouvoir se préparer en établissement. Et donc, on voulait vous mettre en visibilité le fait qu'il faut capitaliser sur ce temps-là pour en parallèle se préparer en établissement à l'arrivée justement de ces fonctionnalités. Et donc, on a identifié plusieurs enjeux ou plusieurs chantiers à instruire en avance de phase. Donc, un chantier technique dans lequel, en fait, il faut vraiment se préparer autour de l'authentification double facteur, le modèle simplifié dont on vous a parlé, les certificats DMP, la mise en place des boîtes aux lettres MS Santé et enfin, la sécurité en lien avec les exigences SSI que Clara vous a présentées. On a également des chantiers à instruire autour de l'organisation et des usages, donc notamment s'interroger sur les impacts de la consultation de mon espace santé sur les prises en charge, notamment la gestion également de l'information et de la non-opposition du patient. On l'a vu, ce sujet a adressé pas mal de questions dans le chat, et donc l'idée, c'est de vous accompagner sur la mise en œuvre effective de ces processus d'information. L'organisation des boîtes aux lettres MS Santé pour la réception des documents. On a également un enjeu fort autour du taux de qualification de l'INS, puisque c'est vraiment l'étape préalable à la fois pour l'alimentation et la consultation. Et on sent quand même encore sur le terrain qu'on atteint parfois un seuil en termes de qualification. Et enfin, l'alimentation du DMP sur les documents dits sensibles, notamment les enjeux autour du masquage et de l'invisibilisation, qui a également amené un certain nombre de questions dans le chat. Et enfin, le dernier chantier qu'il faut adresser, c'est du coup l'information et la montée en compétences des équipes projet ainsi que des équipes médicales. Donc, préparer justement la CME à l'arrivée de cette consultation, mobiliser également les professionnels de santé sur l'évolution des pratiques, comment on intègre la consultation dans cette prise en charge, dans les prises en charge usuelles notamment. Et enfin, faire monter en compétences sur les fonctionnalités de mon espace santé. Et dernièrement, faire monter en compétence également sur le contenu de la vague 2, et c'est vraiment l'objet de ce webinaire, de vous faire comprendre finalement quels sont ce qu'on attend des éditeurs, quel est le contenu fonctionnel à couvrir, pour que lorsque les fonctionnalités seront prêtes à être déployées en établissement, vous puissiez être justement force de proposition et challenger les éditeurs par rapport à ce qui est attendu d'eux dans le cadre de la vague 2. Voilà. Donc voilà, ça fait beaucoup de chantiers à préparer. Donc même si vous n'êtes pas entre guillemets en première ligne en termes de développement logiciel, pour autant, il faut quand même préparer vos organisations à l'arrivée de cette vague 2 à travers ces différentes thématiques. Et donc, bien entendu, on va vous accompagner dans cette préparation. Si on passe sur la slide suivante, Clara. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de vous accompagner pas à pas dans cette préparation en vous mettant à disposition un corpus documentaire, mais également, là, on va dire, c'était une mise en bouche voilà, à travers ce premier webinaire. Donc, il ne faut pas que vous soyez effrayés, il y a beaucoup d'informations, on en a conscience, mais il fallait quand même qu'on présente le panorama de ce qui est attendu dans le cadre de la vague 2. Et l'idée derrière, c'est qu'entre maintenant et du coup la fin d'année 2024, on revienne vers vous avec des webinaires thématiques dans lesquels on viendra adresser plus précisément
un certain nombre de thèmes qu'on vous a présentés de manière très macro aujourd'hui. Et à côté de ça, on a des expérimentations qui sont actuellement en train d'être déployées sur le terrain. Donc, une expérimentation HospiConnect qui vient justement challenger les moyens d'authentification double facteur et notamment ProSanté Connect. Et on a également une expérimentation plutôt organisationnelle autour de la consultation des documents de mon espace santé, de laquelle on va pouvoir ressortir de la matière en termes de retour d'expérience organisationnelle, en termes de retour d'expérience sur les moyens de sensibiliser les PS, les moyens de sensibiliser les usagers. Et tous ces retours-là, qu'ils soient techniques, donc plutôt sur la partie HospiConnect ou organisationnels sur la partie consultation, eh bien, ça va permettre d'alimenter du coup tout ce corpus documentaire qu'on vous mettra à disposition pour vous accompagner pas à pas dans cette préparation de l'arrivée de la vague 2. Voilà. Et du coup, il est 18h28. C'est incroyable. Vous avez respecté le timing à 2 minutes près, donc on est très fiers. Et je ne sais pas si on a pu répondre à toutes les questions qui sont dans le chat. Comme je suis sur le tel, je ne les vois plus. Est-ce qu'il y a des questions encore en suspens? Plus beaucoup. Il y avait une dernière question, notamment sur les tableaux, les montants maximum par établissement. Nalouen, tu as évoqué hein, la prestation vague 1, vague 2. Je ne sais pas si tu veux y revenir. Oui. Alors, que signifie la colonne vague 1 et vague 2? Mais du coup, voilà, on a exactement ça. Alors, je vais l'ouvrir en même temps que je vous parle pour ne pas vous répondre des bêtises sur les différents onglets. Mais et on a un onglet avec un montant maximum vague 2 et un onglet avec un montant maximum vague 1 plus vague 2. Pas onglet, mais colonne dans le tableau. C'est-à-dire, vous avez soit on est uniquement sur la vague 2, soit on est sur vague 1 plus vague 2. Ensuite, il y avait pas mal de questions par rapport à justement les enjeux de visibilité et de masquage des documents qui font partie de nouvelles exigences, notamment dans la partie consultation et simplifier la consultation des documents invisibles aux patients pour les rendre visibles dans le cadre des consultations d'annonce particulièrement. On est en train de préparer un document qui s'appuie déjà sur en fait, tout ce qui a été mis en place dans la vague 1, dans le programme SONES, mais globalement, il ne s'adressera pas uniquement aux établissements, mais permettra de répondre à un certain nombre de questions et devrait être mis en ligne dans les prochaines semaines. Donc, on en fera évidemment de la publicité pour que vous puissiez le consulter et ça donne aussi des perspectives sur le produit Mon Espace Santé, parce qu'effectivement, on sent que plus les établissements, vous, tout le monde commence à s'emparer du produit, il y a des questions. Et des questions, que ce soit sur les fonctionnalités actuelles et celles qui arriveront. D'ailleurs, on en profite pour mentionner que les premières fonctionnalités de l'agenda, qui était la dernière brique de mon espace santé après le catalogue de services et la messagerie en plus du dossier médical, est maintenant disponible sur ordinateur, pas encore dans l'application web, mais va pas tarder. Et ça permet déjà, en termes de prévention particulièrement, de pouvoir voir les différents vaccins ou rendez-vous qu'il faut mener d'ici même 100, je crois que c'est 115 ans qu'ils nous ont proposé. Ça paraît un peu absurde, mais en même temps, pourquoi pas. Les fonctionnalités vont continuer à s'enrichir, notamment avec le catalogue de services qui permettra d'injecter au sein de l'agenda des rendez-vous qui seront pris par les autres applications accessibles depuis ce fameux store. Voilà, en quelques mots, là, on sort de la vague 2, mais c'était, comme c'est très récent, une petite information en plus qui permet aussi de décaler. Voilà, parce que je n'ai pas vu d'autres... Oui, alors il y en a deux autres sur lesquels je peux répondre rapidement. Donc, sur la partie Merci. Expérimentation, personne ne demande quand est-ce que seront disponibles les retours d'expérience. Donc, sur la partie...
Consultation des documents en espace santé. L'expérimentation a débuté début avril avec 19 pilotes répartis sur cette région. Et donc, on prévoit dans ce dispositif-là d'avoir produit un retour d'expérience intermédiaire en juillet. Et donc, en juillet, on fera une réunion ouverte à l'ensemble de l'écosystème sur le même principe qu'on a fait aujourd'hui, un webinaire adressé par l'ANS. Et donc, vous pourrez vous y inscrire. Et dans le cadre de ce webinaire, on vous communiquera les retours d'expérience intermédiaires. Et une deuxième vague de retours d'expérience, dit la finale, sera présentée en novembre, puisque l'expérimentation se termine fin octobre. Et sur la partie OSPI Connect, on reviendra vers l'équipe projet pour vous dire quand pourront avoir lieu ce retour d'expérience vis-à-vis de l'expérimentation. Je n'ai pas les dates en tête. Il y avait une autre question sur la partie Open 2 et SunES 2. Donc, il n'existe pas de SunES 2. SunES s'est terminé le 31 mars dernier. Et du coup, je laisse la parole à Clara pour l'articulation avec Open 2. Oui, effectivement. Donc, en parallèle du programme SONS, effectivement, tous les établissements connaissent le programme SUNES. Comme tu viens de le dire, Inès, on va continuer à accompagner les usages qui ont été promus, notamment dans SUNES, mais aussi ceux de la vague 2, dans le cadre du prochain programme qui s'appelle Open 2 et qui est en cours de construction. Et donc, effectivement, on reviendra vers vous au moment où on pourra vous le présenter et qui s'articulera du mieux qu'on peut, parce que c'est toujours parfois compliqué. Hein. On sait, on a eu l'expérience sur le sens d'Agen et le SUNES, mais en fait, on en apprendra en termes d'enseignement de cette expérience pour permettre une articulation, comme je l'évoquais dans une des premières slides, pour accompagner les établissements dans ces usages et dans la transformation organisationnelle que cela implique. En même temps, il ne faut pas oublier qu'il y a le programme CARE sur la partie cybersécurité qui aussi va permettre d'accompagner les établissements sur les autres sujets, particulièrement de cybersécurité et d'authentification à double facteur et moyens d'identification. Et enfin, pour la base des ES éligibles, on nous demande le lien. Je pense qu'on va profiter du coup du support pour vous mettre le lien vers la base des ES éligibles directement dans le support. Effectivement, on ne l'a pas mentionné, mais On l'a mis. On l'a mis et Naomi l'a déjà mis dans le chat. D'accord, mais ça remonte parce qu'il y a trop de... Il y a trop de messages. Voilà, on peut peut-être clôturer. Oui. Bah, écoutez, merci à tous. Hein. Vous étiez très nombreux, plus de 200 en introduction de webinaire, donc la pression était forte. On espère avoir répondu, non pas exhaustivement, parce qu'on comme je vous dis, on est dans une approche vraiment découverte sur ce premier webinaire. Il nous semblait important de balayer tous les sujets à un niveau macro. Et l'idée, c'est qu'au fil des mois, on rentre petit à petit de manière plus détaillée dans chacune des thématiques pour vous accompagner pas à pas dans la mise en œuvre de cette fonctionnalité vague 2 qui est très attendue en établissement, notamment des professionnels de santé. Donc, merci à toutes et à tous. Et du coup, on vous dit à très bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci.